tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mitumba, Mimor, ton corps forme la toute des valeurs. Anas, Tandon, Caro forme la toute des valeurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mitumba, Mimom, Tonga, forme la toute des valeurs. Anas, Tano, Caro, forme la toute des valeurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Papa! 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 Hey, hey. Maro! Maro! Dis la quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voici le père qui est tombé. Ouais. Hey. Ouais. Amour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'embrasses pas? Ou bien c'est parce que je suis pleine de poudre sur la figure? Big, je réfléchis. Tu réfléchis à quoi? Il y a un problème. S'il y a un problème, tu me dis non, je t'aide à réfléchir, on réfléchit ensemble. Comment? Chère de poule, je suis vraiment inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es inquiète de quoi? Ça fait 2 semaines, Big. Ouais. Que je n'ai pas vu mes règles. Ça fait quoi? 2 semaines que tu n'as pas vu quoi, tes règles? Oui. Vous les élèves aussi, vous allez nous tuer de rien. Donc, c'est pour un petit truc comme ça que tu es toute pâle, pour les règles. Mais si tes règles sont perdues, il n'y a pas de problème, on va t'acheter d'autres règles, non, ton gars. Toi-même, tu feras comme un enfant comme ça. Ça veut dire que quoi, ça?
Il dit que ça fait 2 semaines que je ne saigne pas. Tu ne comprends pas. Oh. Mais ça t'arrive souvent? Jamais. C'est la première fois. C'est la première fois. Mais ça peut être quoi alors? Ça peut être quoi comment? Ça peut être que je suis enceinte. Non, non. Non, ne pense quand même pas aux choses comme ça, dis donc. Pour peu que tu cherches tes règles, ça ne vient pas, tu commences à penser à ça comment? Faut pas arriver jusqu'à ce stade-là. Ce n'est pas ça. Le mois passé, on a fait l'amour plus de 10 fois, non, dis donc. Tu n'es pas tombée enceinte. Comment ce mois-ci, on a seulement fait 2 fois, tu dis que tu es enceinte, non? Qu'est-ce que tu peux parler comme un ignorant comme ça? Est-ce qu'il faut faire l'amour 10 fois ou 2 fois pour tomber enceinte? Mais moi, je sais quand même que ça ne peut pas être la grossesse. Parce que, tu vois, il y a des femmes qui sont parfois, qui font même parfois 4, 5, 6 mois. Hein? Leur règle ne vient pas, elle ne saigne pas. Mais après, ça revient. Tu vois, non? Donc, ce n'est pas ça. Moi, je suis sûr que ça ne peut pas être ça. C'est tout ce que je souhaite, Bé. Que les miennes aussi reviennent, franchement. Non, ça va venir, ma chérie. Tu sais, je ne t'ai jamais dit que quelque chose va se passer, ça ne se passe pas, non? Fais-moi confiance. Moi, je te dis, j'ai l'expérience plus que... Juste ton grand frère, non? Je suis plus âgé que toi, non? Calme-toi, ça va venir. Hein? Ne fais pas cette tête-là, tu vas tomber malade. Calme-toi, mon amour. Oh, les règles-là, c'était que quoi, même? Oui, entrez. Ah, Laura. Papa. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Tati, apporte-nous 2 chaises. Comment tu vas? Oh, ça va. Et toi? Ça va, ça va. Ça va. Tu as pensé à moi aujourd'hui? Oui, pas. Je pense à toi tout le temps. Merci. Okay. Comment va la maman? Elle va bien, elle va bien. C'est vrai que le marché est un peu difficile ces derniers temps, mais bon, ça va. Ok, c'était super. Dimanche passé, j'étais ici, je n'ai trouvé personne. Même Tati n'était pas là. Tu sais, le dimanche, parfois, enfin, il y a des jours, pour me trouver à la maison, c'est difficile. C'est des rares jours comme aujourd'hui, là. Mmh. Ouais, avec ouais. Les tontines, les deuils et tout, c'est un peu ça. Bah, si je suis venue aujourd'hui ici, c'est d'abord pour te voir, comme d'habitude, mais surtout pour te présenter mon français. Voici. Ça c'est bien, c'est très bien. Oh, bon fils, sois le bienvenu. Bonsoir, papa. Oh, sois le bienvenu. Merci beaucoup. C'est Mintumba, papa. Oh, Mintumba, ok. Oh, ce qu'on vend souvent Verdé quand on rentre de Yaoundé là. Je vous ai toujours dit, vraiment une femme exemplaire, c'est celle qui a un mari. Une femme respectable, c'est celle qui a un mari. Tes conseils m'ont toujours été très précieux. Hein. Oh. Non, comme tu m'as bien écouté, je ne peux qu'être fier. Mon fils, une fois de plus, sois le bienvenu. Merci toi. Merci beaucoup. Ouais. Vraiment. Je vais regarder ceci. Merci, vraiment. Quoi, je vous remercie. D'accord. Tu sais, Laura, c'est ma fille. Son père était mon grand frère. Il était aussi mon fils, parce que c'est le successeur de notre père. Elle m'a vraiment dit cela. Vraiment. Ah, Tumba. Si tu es venu, il était 2 pieds. Entrer dans notre famille, nous pouvons que te souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Je suis venu vraiment de plein cœur.
Ah. J'aime beaucoup votre fille. Vraiment. C'est pour cela que je suis là. Non, c'est une belle fille. Elle est trop sollicitée. C'est vrai. Non, non, dites-vous heureux. Elle a fait un bon choix. Laura va nous acheter à boire. Tu sais que Tati, quand on l'envoie en route, on la trompe souvent. Tu nous cherches un peu à boire là. Oui, vraiment, on la trompe. Bah, tu vas prendre quoi? Tout ce qui est mousse, ma fille. Je fabrique l'autre. Oui. Pourquoi tu es si pâle comme ça? Ça ne va pas. Hey. Il y a quoi? Quelqu'un est mort? Personne n'est mort. C'est Mintumba qui me crée les problèmes. Mintumba? Merde alors. Cela a commencé quand? Hey. Mintumba qui te chouchoute. Le temps. Il dit qu'il va prendre une deuxième femme. Quoi? Hé 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 hé. Mintou m'a dit qu'il veut prendre une deuxième femme. Merde. Comment Mintumba peut faire les choses comme ça? Il veut faire quoi avec une deuxième femme? Hey, tu ne le satisfais pas? Il dit que je ne lui fais pas la femme. Hein? Hey. Oh! Tu es Dieu. C'est toi qui fabriques les enfants. Je lui ai demandé d'attendre. Attendre seulement un peu. Mintumba ne comprend rien. Mintumba ne veut rien comprendre. Je ne sais plus ce que je dois faire. Oh, pourquoi il est pressé comme ça? Je ne sais plus ce que je dois faire. Oh, Corolla, coco. Esh. Je ne savais pas que Mintumba était aussi méchant. Diabolique! Qu'est-ce qu'il peut faire à ma fille comme ça? Des choses de valeur. Tu pars mettre dans ma chambre. Tu es là, ouais, ouais, ouais. Attends, c'est les plats là que je vais manger. Mais maman, est-ce qu'on a encore à s'embrouiller comme ça? On a déjà écrit que je suis le successeur, non? Va marier. Si on t'attache au champ, tu vas brouter les ailes. Mais tu vas fermer. Hein? Successeur ne veut pas dire que tous les biens t'appartiennent. Tu vas quand même donner la part de tes frères. Même si c'est toi qui prends la plus grande partie.
Donc il faut faire quelque chose maintenant. Tu prends ces choses-là pour que tes frères n'aient pas droit sur ça, là. Vas-y. Je vais mettre ma tête où pour toi. Mais maman, tu as raison, mais pour l'instant là, on va faire comment? Puisque je peux pas entrer dans la maison. La porte est fermée. Fais-moi un fou. Donc je suis bête. J'avais multiplié les clés quand il était à l'hôpital. J'ai multiplié ces clés, j'ai mis en bas de mon lit. Va dans ma chambre. Oui. Tu prends ça en bas de mon lit. Tu fais ce que je te demande. Okay. Je ne dois pas manger. Il est mort, ça me fait quoi? Il est déjà mort. On ne s'en passe plus. Tout à l'heure. Fais ça. Tout à l'heure. Tu profites des choses comme ça. Tu pleures. Attends que je vais manger les pleurs là. Ça, c'est même quoi, mais. Bientôt, je vais commencer à souffrir. Sansou, gars, ne te manque pas moi, je n'aime pas souvent aller au deuil. Quand j'arrive au deuil là, quand ils voient les gens pleurer, ça me fait un genre, mon frère. Je te dis. Mais pourquoi on y va alors? C'est pas que c'est ton deuil, hein? Moi, je n'aime pas aller au deuil. C'est ton deuil, que tu me vois, je me déplace. Gars, tu m'as appelé tout à l'heure pour ça. Non, après tout, c'est le deuil de. C'est quand même le père de Manga qui est Daï. Je suis obligé d'aller là-bas. Je suis obligé d'y aller, on ne peut pas faire autrement. Quand je vais arriver là-bas, là, les gens vont commencer à crier. Ça me fait un genre, je te jure. Oh! Ah! Aïe! Mais tu n'as pas bien nagé à toi. Ah non, ça va, c'est bon. C'est que c'est la première fois pour moi de nager, hein. C'est aussi ça. Ah bon? C'est vrai que moi non plus, je ne sais pas trop nager, mais je viens quand même ici régulièrement. Ah oui, tu t'es quand même défendu. Voilà. C'est bien mal. Et ça me réjouit quand même d'être la première personne à t'amener nager. Ah. Et comme ça, je serai aussi la première personne à t'avoir tiré les oreilles. Tu es drôle, hein, ma chérie. Ouais, je tiens ça de toi. Hein. Oh. Depuis que je te fréquente. Bon, bébé, tu sais, il faut qu'on accélère les choses. Ah bon? Oui. J'ai envie, déjà, j'ai l'intention de fixer la date de notre dot. Ou alors de ta dot, puisque c'est toi qu'on dote. Moi, c'est moi. Alors, j'ai décidé de fixer la date de la dot au 15 du mois prochain. Ah non, mais tu es sérieux? Je dis, je suis sérieux. Je fixe la date de ta dot au 15 du mois prochain. Ouais. Ah si.
Je veux bien nager cette fois-ci. Oh. Tu sais, il faut qu'on précipite les choses parce que il faut qu'enfin tes parents me donnent l'autorisation de t'appeler Madame Mitumba. Ah oui, Madame Mitumba. Madame Mitumba. Oh, voilà. Fabuleux. Bon, autre chose quand même. Depuis qu'on est fiancés, on n'a pas encore passé la nuit ensemble. Alors, donc, je vous dis que ce soir, on passe la nuit ensemble. Ça te gêne pas? Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Alors, je savais. Tu vas te faire mal. Calme-toi. Je sais que c'est douloureux, Clarisse. Calme-toi. Ça va passer. Ça va, calme-toi. Calme-toi. Ne pleure plus. Patience. Assieds. Calme-toi. Ça va, ça va. Ouais. Assieds, patience. Tu vas te faire mal. Tu vas tomber malade. Ouais. Calme-toi, non, Clarisse. Oh, ballon. C'est Clarisse, non? Oui, c'est Clarisse, là. C'est le deuil qui l'a transformé comme ça. Je ne l'ai pas reconnu. Mais mon frère, Tangala, il me quitte. Quand elle est tombée sur toi, mec, je crois que c'est sur moi qu'elle est tombée. Ça ne reconnaît plus. C'est pour ça que je dis que moi-même, on a fait le deuil là. Ouais. Il s'appelait comment? Papa. Moi, je connais. Papa Bakoumen. Le papa qu'on a vu une fois de l'autre côté de la route là. Oh, go. Mes condoléances, mamie. C'est mon agent de la cotisation de ton. Non, 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 que j'ai compris. Attends. On va quand même amener au carrefour. Je suis devenu pour tout le monde. J'étais où comment? Ça c'est que j'ai des questions de le grand matin. Tu vois l'heure qu'il est? Il est 6 heures. Tu rentres le lendemain et tu me demandes que je te pose ça des questions, ça veut dire quoi? Mais je rentre à 6 heures et le problème c'est où? Tu ne m'as pas dit que tu allais passer la nuit dehors, Mitumba. Je t'ai appelé toute la nuit, le téléphone ne passe même pas. Ton téléphone est où?
Mais tu m'attendais pourquoi? Tu as dormi, non? Tu m'attendais pourquoi? Dormi seul que tu es où? D'habitude, je dors souvent ici seul. Et je pense quand même que même si tu passes la nuit dehors, tu dois m'appeler pour me dire que tu ne rentres pas. Madame, il faut pas me déranger. Je dors seul. Il fallait dormir avec tes enfants. Dors avec tes enfants que tu accouches et tu me laisses tranquille, non? Ça, c'est quoi? Mintouma, je n'aime pas ça. Tous les jours, tu me demandes de faire les enfants ici. Je vais faire les enfants seul, dis donc. Tu es où pour venir me faire les enfants là? Dormi seul. Tu sais, on ne sème pas sur un sol stérile. Ouais. Rien ne peut y pousser. C'est pour cela que moi, j'ai décidé de s'aimer sur un sol fertile, un sol productif. Il me faut une deuxième femme dans cette maison. Mintouma, je t'ai dit que tes histoires que tu fais là, tu vas faire ça dehors, c'est pas ici, moi je te dis ça. Je t'ai prévenu, tu amènes une autre femme, tu l'épouses parce que tu veux de ça, mais dans cette maison, c'est moi qui l'ai construite. Hein. Je ne veux pas une deuxième femme ici. Tu as compris ça? Et attends, parce que jusqu'aujourd'hui, je suis très doux avec toi, trop doux même. Parce que si tu t'amuses, je jure, la deuxième femme avant d'arriver là, tu ne seras plus là, tu vas partir chez vous. Moi, la piscine, moi partir de cette maison, tu blagues. Pas tes histoires que tu racontes là, je t'ai dit que moi, Mintouma, parce que tu fais là, ici dans cette maison, moi je ne peux pas partir. C'est toi qui vas partir ici et me laisser. Et tu parles tout le temps, ça te prend pas où là? Autour de nous, côté cou et côté jambes.